les gars, on a mis le maillot du jour. Maillot du Sénégal, Sénégal Rec. On va aller supporter les guindés. En route pour le Khalifa Stadium. Match avec victoire obligatoire pour le Sénégal. Pour, on l'espère, une qualif en 8ème de finale. Puis voilà. Puis, bah, on prend le beurre. Le stade est à 5 minutes de la maison, mais c'est 5 minutes de voiture, mais genre de grands axes. Nana, c'est quoi ton prono là? J'ai tout calme derrière. Moi, je suis juste pour le Sénégal, le reste, on s'en fout. Il y a du monde. Je pense très sincèrement que le stade, il va être 50-50. Hein. Pensez pas qu'il y a que des Sénégalais, au contraire, loin de là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de supporters de l'Équateur. Et bah, du coup, il y a un phénomène de masse. C'est-à-dire que un peu à l'image des pays africains, il y a les pays sud-américains qui sont là pour soutenir, bah, tu vois, les supporters argentins, brésiliens, ils vont être avec Équateur. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ça va être un match très, 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 très dur pour les deux équipes. Et en plus, Ener Valencia, au final, il va jouer. Les Sénégalais pensaient qu'il n'allait pas jouer, mais il est bien là. Hein. Même dans vos cauchemars, il est là. Here we go! Regardez, je vous disais, hein, ils sont beaucoup, hein, les supporters Équateur. Je suis bien arrivé. En plus, c'est lourd parce que je suis grave bien placé. Et en plus, le match et l'ambiance annoncent incroyable. Regardez. Équateur, les Sénégalais ils font plus de bruit. C'est eux qui font du boucan ici. Hein. Franchement, respect. Ça fait 30 minutes. Le bruit est toujours assourdissant. Je vais vous dire un truc, vous savez, il y a moins de supporters sénégalais dans le stade. Il y en a beaucoup plus qui sont équatoriens. Mais ceux qui font le plus de bruit, c'est les Sénégalais. Il y a 40 ans, j'en ai un là-bas. Un là-bas, un là-bas. Ils sont trop présents. Regardez. Là-bas, il y a un groupe de supporters. Là-bas aussi. Penalty. Penalty pour le Sénégal. Très, très grosse faute du défenseur de Équatorien. Il a fait une faute de ouf. Ouais, il l'a découpé. L'arbitre, c'est Clément Turpin. Il a sifflé penalty pour Lyon, mais après, il s'est rappelé que c'était le Sénégal en face. Ouais. Et il demande la barre en plus. Ils sont dû célébrer le potentiel d'espoir but du Sénégal. Je vais faire au cœur de l'action. Ah, les Sénégalais, ils s'éteignent encore plus que jamais les Équatoriens là. Ambiance de fou dans le stade. Tout le monde est debout, tout le monde arrache tout. Bon, évidemment, dans mon coin, on est un peu assis. Mais autour de moi, 20 sur 20. Allez. Bagarre, hein, on dirait. Hein. Bagarre, ça s'embrouille. Je sais pas si vous allez m'entendre, j'ai rejoint les Sénégalais. Tout camp de fou. Mais c'est bon, c'est bien. C'était mieux qu'en haut, on était tous assis. L'Équateur.
Sénégal est éliminé. Hein. C'est important, il faut que vous le sachiez, le Sénégal est pour l'instant éliminé. Il reste 20 minutes, grosso modo un peu plus de 20 minutes pour renverser la vapeur. Vous le voyez là, l'égalisation de l'Équateur. Franchement, c'est triste. Plus de 20 minutes pour renverser la vapeur, on y croit. Hein. L'Équateur, ils envoient tout le monde devant. C'est les dernières actions là. Il n'y a rien. Allez! C'est chaud. Allez, tu repars là, le sifflet. Tout le monde siffle dans les tribunes. A few moments later. Incroyable, Sénégal qualifié en 8e, première nation qualifiée. Non, première nation africaine, excusez-moi, j'en perds mes mots. Truc de ouf, l'ambiance. Prépare un truc de malade tout à l'heure. Franchement, 9 euros pour les refrais. C'était dur, hein. Mais le capitaine, Kalidou, il est venu pour marquer son premier but en sélection. L'un des buts les plus importants de l'histoire du pays. Incroyable. Thank you. Bon les gars, désolé, j'ai même pas eu l'énergie ni la possibilité de vlog comme je voulais. L'ambiance a été folle, c'était une dinguerie. Sénégal qualifié, première équipe africaine qualifiée en 8e de finale. Ça c'est fort. Et en plus franchement, match maîtrisé, rien à dire. Top du top.